Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre comme tous les soirs pendant 60 minutes. Vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Ce soir, nous le ferons avec les invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau. Monsieur Mustapha Labrahimi, vous êtes membre du bureau politique du PPS, merci d'avoir répondu à notre invitation. Younes Mujahed de l'USFP, membre du bureau politique de l'USFP. Et enfin, Mehdi Ben Saïd, vous êtes député PAM et président de la commission des affaires étrangères. Ban Ki-moon, reste chez toi, le Sahara ne t'appartient pas, ou encore Moutmouti Aadou, El Melek Ando Shahbou. Ce sont les slogans qui ont été repris par les 3 millions de Marocains. Ce sont les chiffres officiels de la MAP, venus ce dimanche réaffirmer leur attachement à la marocanité de notre Sahara. Parmi eux, des membres du gouvernement, des députés, des hommes politiques mobilisés en force autour de cette question nationale. Nous revenons ce soir sur ce temps fort qui a été le rassemblement de Rabat. Quelles sont les significations et surtout ces retombées politiques à la fois nationale et internationale? Les partis mobilisés hier vont-ils réorienter leurs actions pour plus d'efficacité à court et moyen terme? Et si oui, comment? Sahara marocain, le sursaut politique, c'est le titre de l'émission de ce soir. Cette marine mène des fils pour transmettre un message clair. Le Sahara sera toujours marocain. À Rabat, plus de 3 millions de citoyens ont participé hier, dimanche 13 mars 2016, à la marche populaire, initiée par les partis politiques, les syndicats et la société civile. Venus des quatre coins du royaume, les participants ont envahi le centre-ville de la capitale. Ils ont sillonné les artères du centre-ville jusqu'à la place Babrouah en scandant des slogans à la gloire du Sahara. Des Marocains des provinces du Sud ont marché côte à côte avec leurs concitoyens du Nord, de l'Est et du centre du pays. Ils ont tous protesté contre les récentes déclarations du secrétaire général des Nations Unies au sujet du Sahara marocain. Le même motif a poussé également la classe politique nationale à descendre dans la rue. Ban Ki-moon n'a pas fait preuve de la neutralité requise pour trouver une solution à la question du Sahara. Une question d'existence pour le peuple marocain. Selon les partis politiques, les déclarations du secrétaire général de l'ONU mettent également en danger la paix et la sécurité régionale. Centrales syndicales et des acteurs de la société civile se sont aussi élevés contre les propos partiaux de Ban Ki-moon, en l'occurrence l'Union marocaine du travail. Les syndicats marocains ont décidé d'envoyer une lettre de protestation au secrétaire général de l'ONU, mais aussi à la Confédération syndicale internationale, à l'Union des syndicats africains et aux syndicats arabes. Les principales centrales comptent même dépêcher des délégations dans les différentes capitales internationales. Objectif, expliquer le bien fondé de la question nationale du Maroc, un pays qui contribue à la sécurité et à la paix internationale. Bien, messieurs, ces images qui tournent en boucle et que nous avons tous vues, et tous les gens qui ont participé à cette marche montrent l'ampleur de la mobilisation qu'il y a eu dimanche dernier. Pour commencer, je vais vous demander tout simplement ce que vous avez ressenti en voyant cette mobilisation et est-ce que c'était prévisible? Je voudrais vous remercier pour l'invitation, tout d'abord. Et puis, personnellement et sincèrement, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vécu ce rassemblement. Beaucoup d'émotion pour la simple raison que je me suis trouvé, non pas en délégation officielle, parce que c'était impossible de se retrouver à l'accoutumée avec, disons, les responsables, etc., etc. Mais je me suis retrouvé avec mes compatriotes, tout âge confondu, qui vivaient un moment intense de patriotisme, de confirmation du droit du peuple marocain à son intégrité territoriale, dans l'enthousiasme et la mobilisation. C'est ce que j'ai vécu, beaucoup plus que qu'autre chose. Hein, c'est-à-dire que pour moi, en politique, bien sûr, l'intention était de dénoncer, de répandre un petit peu, enfin un petit peu, je m'excuse du peu, répondre à Ban Ki-moon qui a eu des dérapages que vous avez cités, mais la présence, la nature des présents, leur enthousiasme, j'allais dire la stabilité de cette marche. Sûrement il y a de l'encadrement, on ne peut pas faire ça comme ça. Mais disons, il y avait une certaine spontanéité
qui reflétait le Maroc profond, le Maroc historique, le Maroc de la marche verte, le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Mehdi Ben Saïd. Écoutez, moi, je pense que c'était la marche de l'unité du peuple marocain. Hier, il n'y avait plus de couleurs politiques, il n'y avait plus de syndicats ou de société. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas de partis politiques. On va y revenir parce que c'est vrai qu'on a intitulé cette émission Le sursaut politique. On verra de quelle manière aujourd'hui, justement, on est dans cette union. Mais je vous laisse continuer. Oui, c'est vraiment, pour moi, c'était la marche de l'unité. À l'instar de la réunion qui a eu lieu samedi au Parlement ou vendredi au sein de la Commission des Affaires étrangères, c'était un moment d'unité de la part des composantes politiques pour un message qui est très clair, un message acquis de droit, un message aujourd'hui au secrétaire général des Nations Unies, mais pas qu'à lui, aussi aux adversaires du Maroc. Quand on touche les Marocains, quand on touche le sentiment des Marocains, ben les Marocains s'unissent pour défendre ensemble le Maroc et l'intégrité territoriale du Maroc. Et ce qui est très intéressant, c'est que la mobilisation s'est faite très rapidement. Il y a eu un message lancé aux citoyens et aux citoyennes vendredi samedi. Et sur place, les gens ont commencé à s'organiser et ont appelé. J'ai des retours de certains amis, membres de mon parti, qui étaient dans les campagnes, dans les villes, qui voyaient les gens venir s'inscrire par eux-mêmes parce qu'ils voulaient venir à cette marche. Et comme l'a rappelé notre collègue, oui, c'est une seconde marche verte, carrément, parce que ce que nous avons vu, c'est les images de la marche au plein centre-ville de Rabat, mais ce que nous avons moins vu, c'est les gens qui venaient en voiture, c'est l'autoroute Rabat-Casa qui était quasi bondée, c'était impossible d'aller à plus de 30. On a dû ouvrir les barrières des péages pour faire passer les gens. L'autoroute, la route nationale, les trains, etc. Donc il y a eu une mobilisation. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la mobilisation très rapide des Marocains et des Marocaines, et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que oui, le sentiment de patriotisme, on a partagé hier tous ensemble un sentiment de patriotisme, mais il n'y avait plus de couleurs, il n'y avait plus de parti politique, il n'y avait plus rien, il y avait le Maroc, le drapeau, et on est derrière ce drapeau et ce Maroc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, et j'ajoute seulement que, premièrement, parce que c'était rapide, c'était urgent, alors je crois que cette possibilité et cette capacité de mobilisation rapide et urgente est très très importante, ça il faut la noter. La deuxième chose, il y a eu deux choses. Il y a eu encadrement, c'est vrai, parce que nous sommes un pays où il y a des partis politiques, des syndicats, des associations de la société civile qui sont venues de tout le Maroc. Mais il y a eu aussi spontanéité, parce qu'on a vu des gens qui ont commencé à s'exprimer à leur façon, par des dessins, par des photos, par des images, par des slogans. Je crois que ça, on était là et on a noté tout cela. Je crois qu'il faut analyser. Il faut analyser parce que c'est très, très important pour essayer un petit peu de palper le pouls du peuple vis-à-vis de cette question du Sahara. Mais une autre question très importante, je me suis demandé quand j'étais là-bas, est-ce que nos voisins, par exemple, ils peuvent organiser, mobiliser et encadrer une telle manifestation, même pour une question nationale? Je me demande. Alors justement, on va y arriver. Vous nous dites analyser. C'est vrai qu'on est tous autour de cette cause. On a d'ailleurs, la semaine dernière, jeudi dernier, réagi sur ce plateau en analysant, bien sûr, la situation et les propos qu'avait tenus Ban Ki-moon. On va y revenir tout à l'heure. Mais là, c'est vrai qu'au niveau, là, vous nous dites analyser cette mobilisation. C'est vrai que cette mobilisation, en si peu de temps, on peut se poser la question aujourd'hui, quels sont les relais qui ont été utilisés? Est-ce que les partis politiques, vous nous dites qu'il n'y avait plus de partis politiques, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, on avait vraiment eu le Maroc qui était dans la rue. Il y a eu des relais spécifiques qui ont été utilisés pour amener, on va dire, mobiliser tous ces gens-là, tous ces citoyens. Vous savez... Je parle, vous, au niveau de vos formations politiques, de voir quels sont les processus que vous avez mis en place. Vous savez, le Maroc, c'est un État. C'est un État organisé, c'est un État où les avancées démocratiques ne datent pas d'hier, puisque ça fait déjà quelque temps que nous sommes dans un processus démocratique qui ne cesse d'avancer. Il y a des partis politiques, qui, grâce à eux, justement, ces avancées démocratiques ont pu voir le jour. Nous avons nos petits problèmes. C'est sûr et certain que, comme dans toute société qui se transforme, qui vit, nous avons nos différences, nos approches différentes pour évaluer le développement du pays, mais il y a des questions j'allais dire, il suffit d'un petit geste pour que ça puisse mobiliser l'ensemble du peuple marocain. On dit que le Marocain est fier. Pourquoi ?
pourquoi cette fierté a été soulignée par toutes les, j'allais dire, par toutes les personnalités, pour ne pas dire les puissances qui sont passées à travers le Maroc. Le Marocain, il peut peut-être souffrir dans sa nourriture, dans son alimentation, dans son ventre, comme on dit, hein, en arabe dialectal, mais il ne peut pas souffrir de certaines choses. Il ne peut pas souffrir d'être insulté, de ne pas être pris en considération, de ne pas être respecté. Et je pense que cela, ce sont des forces, des moteurs qui font que la mobilisation a été facilement acquise. Bon, quand j'ai dit que le Maroc est un État organisé, etc., cela veut dire que l'autorité gouvernementale a joué un rôle, que les partis politiques ont joué un rôle, que les associations civiles ont joué un rôle. En ont cité, il y avait de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les... L'important, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de C'était l'enthousiasme, c'était festif. C'était vraiment un dimanche ensoleillé qui mérite le terme d'historique pour cette mobilisation acquise, qui s'est bien terminée, qui a bien commencé, qui s'est bien déroulée, qui a gonflé. Hein, justement, vous citez les autoroutes qui ont été bloquées, etc. etc. Mais hein, ça montre justement cette mobilisation vigilante des Marocaines et des Marocains pour leur intégrité territoriale, pour le respect de leur identité, de leur histoire. Cela montre que cette mobilisation a été faite par tous les moyens que dont le Maroc dispose. Les moyens légaux, les moyens démocratiques, les moyens d'organisation tels qu'ils sont prévus par la Constitution, et notamment à travers les partis politiques dont je suis l'un des représentants avec les collègues qui sont à mes côtés. – Est-ce que vous attendiez, vous, au sein de vos appareils politiques, à une telle mobilisation? C'est-à-dire, en gros, on est tous d'accord, on parle sur ce plateau très souvent, que cette cause nationale, on en discute très souvent, on discute aussi de la manière de la défendre au mieux à l'étranger. Bien ça sûr. Aussi, on va y arriver, de quelle manière aussi, l'impact que ça peut avoir à ce niveau-là. Est-ce que ça vous envoie un signal, à vous, politique, sur la manière de traiter notre question de l'intégrité territoriale? Bien sûr, ça démontre tout simplement que le Marocain s'intéresse d'abord à la cause nationale. Ça, c'est parce qu'on a beaucoup dit sur cette nouvelle génération que nous sommes. Ce n'est plus la même génération que la Marche verte, qui était peut-être plus patriote, nationaliste. La preuve aujourd'hui, non, c'est la même génération finalement. Il y a une continuité dans cet amour pour le Maroc, dans cet amour pour le patriotisme. Et j'ai envie de dire, vous savez, aujourd'hui la diplomatie évolue et c'est une forme de diplomatie populaire. C'est un message lancé aux autres peuples. Nous sommes un pays accueillant, nous sommes un pays qui aime le prochain, qui aime recevoir les gens. Mais aussi, on est un pays de principes et on n'aime pas toucher et on n'aime pas... On n'aime pas qu'on touche à notre intégrité. Et ça, c'est un message fort en termes de diplomatie populaire qui peut être motivant pour les partis politiques afin, bien évidemment, de toujours essayer d'améliorer, bien évidemment, notre argumentation, d'essayer de... Parce que, bien sûr, la cause nationale, chez tous les partis politiques, c'est la première cause à défendre quand on va à l'étranger. Même en interne, il y a un débat, parfois, qui peut être même sur la manière, parfois houleux, au sein de la Commission des affaires étrangères au Parlement, ce qui est normal, mais la cause est la même. La cause, c'est toujours essayer de défendre les couleurs du pays. Et donc, c'est un point en plus, c'est un argument en plus, pour nous, qui nous donne à nous, en tant qu'instance partisane, la volonté d'améliorer notre prestation, justement, au niveau international. Ça ne peut être que motivant. Ça ouais. peut être que motivant. Mais on y reviendra, bien sûr, sur la manière avec... On voit bien que chez nous, on arrive à mobiliser et on dira à l'international de quelle manière, quelle résonance ça peut avoir. C'est la question que je vais vous poser. Que les partis politiques ont joué un rôle très très important parce qu'ils ont donné les directives à leur instance au niveau national, au niveau régional, au niveau local, les secteurs, etc. Je crois que ça a joué un rôle et nous, on était là-bas au parti, on recevait des coups de téléphone, les gens se préparaient pour louer les autocars, etc. Il y avait toute une mobilisation, mais très rapide. La deuxième chose, moi, je crois qu'il faut noter, et elle est très importante, c'est les jeunes. Comme vous pouvez voir maintenant dans les images, il y a des jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Des jeunes, des adolescents. Moi, je crois qu'il y a une continuité très, très importante à noter. Il y a un nationalisme qui continue au Marocain. Un nationalisme qui est toujours là, qui se développe. Et peut-être avec les événements que nous vivons dans le monde arabe, avec la balkanisation de des pays, etc. Les gens sont très conscients
de cette question de l'unité. Je crois que ça, c'est la deuxième remarque. La troisième, ce sont les mêmes personnes qui ont organisé des manifestations contre la cherté de la vie, qui ont organisé des grèves, etc., qui ont protesté. C'est le même peuple. C'est le même peuple qui est maintenant là. Alors, il s'exprime de diverses façons parce que ça fait partie de sa vie. Et la question de l'intégrité territoriale, pour lui, est primordiale et il l'a démontré. Je crois que là, c'est une question très, très importante et peut-être qu'il faut essayer d'analyser ça sur le plan politique. Quelles sont les conséquences? Comment on doit travailler après, que ce soit au niveau du gouvernement, de l'État, du Parlement, des relations extérieures? Parce que moi, je crois, et ça, on peut l'analyser, on peut essayer un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette sortie de Ban Ki-moon, est-ce qu'il est, c'est personnel, est-ce que c'est un complot, etc. Je crois qu'il faut analyser tout cela. Mais la réponse a été adéquate, elle a été très, très bien organisée. Alors justement, on reviendra sur, bien sûr, encore une fois, comment tirer profit de ce qu'on a vu dimanche, comment vous, parti politique, vous pouvez tirer profit, tirer leçon de ce qu'on a vu dimanche dernier. Mais avant... justement, vous l'avez dit à l'instant, est-ce qu'on peut revenir sur le déclencheur, l'étincelle qui ont été, bien sûr, les propos tenus par Ban Ki-moon, qui a utilisé le mot « occupation ». Aujourd'hui, j'aimerais vraiment voir, on a analysé ça la semaine dernière, et c'est vrai que d'un point de vue politique, c'est intéressant d'avoir votre vision, chacun d'entre vous, sur la sortie de Ban Ki-moon en utilisant ces termes-là, qui ont été très largement commentés, mais j'aimerais avoir votre vision en tant que politique. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que Ban Ki-moon ne s'est pas comporté en tant que secrétaire général des Nations Unies. Vous avez eu des banderoles, hein. Ben Ki-moon n'est pas neutre. Hein. Ce n'est pas seulement qu'il n'est pas neutre. Il n'a pas le droit, de ne pas respecter la fonction du secrétaire général des Nations Unies. C'est ça qui est important. Parce que, disons, si Moujahid, si Ibn Saïd, moi-même, on peut ne pas être neutre. Chacun a son opinion. On peut... Peut-être même sur cette question ou une autre question, on peut débattre. Mais lui, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Je me permets de rappeler quand même que les Nations Unies, c'est pas le machin. À moins que Ban Ki-moon veut le rendre moins que le machin. Vous voulez dire l'expression de Charles de Gaulle ? Absolument. Oui. Hein, pour nous, c'est pas le machin. Le Maroc s'est engagé dans cette organisation dès en novembre 1956. Hein, parmi les premiers gestes du Maroc, il s'est engagé dans ce... Donc nous avons le respect des Nations Unies. Nous travaillons avec... Il ne s'agit pas d'une crise entre le Maroc et les Nations Unies. Il s'agit de dénoncer un comportement, qui n'a pas respecté la fonction. Le secrétaire général se devrait de mettre tout... ce qui est en son pouvoir, en ses moyens, pour aplanir toutes les difficultés. C'est ça. Si on relit la charte, si on relit la définition du rôle du secrétaire général, c'est pas seulement une question de neutralité. Il doit... Il est obligé par les résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité lui intime... parce que c'est un fonctionnaire des Nations Unies. M. Ban Ki-moon n'est pas un politique, c'est un fonctionnaire. Donc c'est le Conseil de sécurité qui lui dit voilà ce que vous devez faire. Les résolutions du Conseil de sécurité, nous les connaissons. Hein, donc il a failli. Hein, il a failli et il a, cette faillite-là est grave. Hein, est grave. Pourquoi ? Parce que justement, ça met en cause dans une région qui n'est pas simple. Hein, il ne faut pas oublier ce qui se passe au Sahel africain, il ne faut pas oublier ce qui se passe en Libye, il ne faut pas oublier ce qui se passe un petit peu dans ce bassin méditerranéen agité par un mouvement qui n'est pas pacifique, hein, pour le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour le moins qu'on puisse dire. Alors M. Ban Ki-moon se devrait, au contraire, au moins le minimum, c'était premièrement de respecter sa fonction, c'est-à-dire de chercher à consolider la paix. Deuxièmement, à suivre ce que le Conseil de sécurité lui a ordonné de faire, c'est-à-dire de trouver une solution négociée, et non pas de revenir si l'arche de Noé était en bois ou en fer. Tout ça, c'est de l'histoire qui a été disséquée, balayée par des résolutions du Conseil de sécurité. Il n'y a qu'une solution négociée et pacifique sur ce problème qui a été créé artificiellement
par feu Boumdian, par feu la Oudkoro Amouatakoum Bikher, par le Kadhafi, et au dépend, voulait-il, au dépend de l'intégrité territoriale du Maroc. Ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. Alors ça ne marchera jamais. Je m'excuse pour terminer peut-être ma. Ben Ki-moon a voulu, et c'est ça qui est dangereux, a voulu, à mon avis, prendre une initiative, peut-être contre des. Il a été tenté, hein, c'est la tentation. Hein, c'est la tentation de la fin du mandat qui ne va pas se renouveler. Et donc, peut-être que certaines mauvaises volontés ont voulu l'imbriquer dans des positions qui risquent, hein, c'est ça le problème, qui risquent d'influencer la marche de cette affaire vers justement la solution et la paix. Alors, Sibène Sey, vous avez dit, Ban Ki-moon est un fonctionnaire, ce n'est pas un homme politique. Aujourd'hui, c'est un problème de personne ou c'est un problème de l'ONU? Parce qu'on a bien vu les réactions par la suite, même un ancien ambassadeur américain au Maroc qui a réagi très violemment au propos de Ban Ki-moon. Mais aujourd'hui, c'est un problème de Ban Ki-moon ou c'est un problème onusien? Il l'a bien rappelé, il a bien raison de dire que le Maroc n'a pas un problème avec les Nations Unies. Le Maroc est membre des Nations Unies. Et effectivement, c'est le secrétaire général qui n'a pas joué ce rôle, qui crée un précédent. Et ce n'est pas, dont les conséquences ne sont pas uniquement pour le Maroc, mais pour le monde, parce qu'un secrétaire général d'une institution telle que les Nations Unies qui prend parti dans un conflit, peu importe le conflit, ça devient dangereux. Le rôle des Nations Unies est au départ de rapprocher les peuples, de rapprocher les États. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres conflits dans le monde. D'autres États vont se poser la question aujourd'hui. Pourquoi le secrétaire général a réagi de cette manière-là? Est-ce qu'il y a pression derrière? Est-ce qu'il y a des lobbies derrière? Et vont se poser des questions par rapport à leurs problèmes. Et donc on se pose encore des questions de savoir s'il y a des lobbies derrière. Non. les lobbies existent. Mais ce que je veux dire, est-ce que ces lobbies maintenant sont tellement forts qu'ils arrivent à changer le rôle que devrait avoir un secrétaire général? C'est ça qui est grave. Parce que oui, les lobbies ont toujours existé. On a vu leurs répercussions dans les conflits dans le monde. Mais le SG, le secrétaire général de l'ONU, a toujours gardé cette neutralité qu'on appelle une neutralité positive. Donc ces conséquences, pour moi, les conséquences ne sont pas uniquement pour le Maroc, mais c'est des conséquences mondiales. Les dualités existent dans toutes les régions du monde, et forcément, ça laisse à réfléchir qu'aujourd'hui, le secrétaire général peut tendre vers une équipe contre une autre. Vous savez, il y a un exemple très simple, si on fait le parallèle avec le foot. Un arbitre qui est déjà pro pour une autre équipe ne peut pas être arbitre d'un match de foot. C'est ce qui s'est passé. On est en train de jouer en quelque sorte un match avec un arbitre qui est pour l'équipe contraire. Et ça, c'est pas normal. Moi, je crois que la vérité, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il agit en tant que personne parce que c'est la fin d'un mandat? Est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un complot international? Est-ce qu'il y a des lobbies? Quels sont les pays? Quelles sont les forces? Je n'ai pas de réponse. Mais je crois que, comme ont dit les collègues, c'est très dangereux ce qu'il a fait. Parce que, premièrement, il a créé un précédent. Dire que le Maroc occupe le Sahara, ça n'a jamais été dit, ni par le Conseil de sécurité, ni par d'autres instances de l'ONU. Parce que le Maroc, il est là pour l'administration. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est pour l'administration. Sachant que quand on dit qu'un État a occupé un terrain, ça veut dire qu'il était une terre d'un autre État. C'est clair. Quand on est annexé ou occupé, c'est comme ça. Maintenant, le Maroc, il administre avec toutes les prérogatives, avec toutes les d'un État qui administre, sachant qu'il était là-bas parce qu'il a signé un accord avec l'État qui était là-bas, avec l'Espagne, avec un État qui colonisait le Sahara. Alors maintenant, pour que Ban Ki-moon change ce concept, je crois que c'est une question très très dangereuse. Il faut la discuter, il faut que le Maroc travaille dans ce sens, parce que c'est un problème de neutralité. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que se prépare? Moi, je crois que la vigilance du peuple marocain l'a montré, et je crois que pour l'État et le gouvernement, ils doivent être très très vigilants. Peut-être qu'on prépare quelque chose de très très dangereux pour cette région, sachant que c'est ce qui s'est passé dans d'autres régions. À côté. Voilà l'Irak, voilà ce qui s'est passé au Yémen, voilà ce qui s'est passé en Syrie, voilà ce qui s'est passé en Libye, au Soudan. Et toujours il y avait l'ONU là-bas. Et toujours il y avait des forces internationales. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont laissé des choses
Voilà, moi je crois qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que peut-être que c'est une sonnette d'alarme, il faut la tenir en compte, mais d'une manière très très sérieuse. C'est le Brémy. Parce que là, on beaucoup d'analystes. Les analystes sur à votre place disaient vous-même qu'on accordait trop d'importance aux paroles de Ban Ki-moon, lui-même, en tant que personne. Aujourd'hui, c'est finalement pas une occasion. On l'a bien vu, ce que ça a suscité. Oui. Est-ce que, je vais être cynique, mais est-ce que ça va pas nous servir, finalement, ce dérapage? Est-ce qu'on sait comment s'en servir? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on va pouvoir s'en servir à profit? On a bien vu ce que ça avait provoqué. Eh bien, en tout cas, tout le monde en est très heureux de voir la manifestation qui a eu lieu. Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser finalement sur le dérapage de Ban Ki-moon? Moi, je suis confiant. Je suis confiant dans la... parce que c'est une question Est-ce que c'était un mal pour un bien? Le Maroc est passé par un certain nombre de... Ce n'est pas la première fois qu'on a eu ce genre de problème dans, justement, pour la résolution de ce conflit artificiel. Pas de la part d'un secrétaire général de l'ONU, c'est la première fois. Absolument, non. Oui, oui. Absolument, non. Mais je dis, dans l'histoire du conflit, ce n'est pas la première fois qu'on affronte des défis. Mm-hmm. Absolument. Il y a eu Baïkal, il y a eu après. Bon, je ne vais pas rentrer dans la chronologie du conflit. Et chaque fois, le Maroc est arrivé à trouver des solutions. Hein, le fait de pouvoir mettre sur la table une initiative pour l'autonomie de cette région, je pense que d'autres États, plus ou moins voisins, n'ont pas cette possibilité, hein, n'ont pas cette capacité d'analyse, cette capacité de proposition, et d'une manière sereine. Bon, maintenant, c'est la fin, hein, c'est la fin de son mandat. C'est pas quelqu'un qui va. C'est un fonctionnaire de l'ONU. Il y a le Conseil de sécurité. Il y a déjà des membres éminents et d'autres sûrement du Conseil de sécurité qui ont manifesté leur désapprobation concernant les dérapages. Le gouvernement américain a juste un propos qui a été tenu, on considérait que les propos tenus par Ban Ki-moon étaient un appel à aggraver la situation sécuritaire dans la région. Donc, en gros, il y a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une zone où on est un îlot, à devenir un îlot de stabilité, ça, c'est quand même jouer avec le feu. Le problème, c'est la manipulation aussi de l'Algérie. Moi, je le dis en toute responsabilité. Le fait que l'Algérie voisine prenne toujours utilise n'importe quoi pour porter tort à l'intégrité territoriale du Maroc, on l'a vécu, on le voit à chaque moment. Et justement, ils veulent utiliser ce dérapage de Ban Ki-moon pour mettre en confrontation le Maroc et les Nations Unies. Nous n'avons pas de problème avec les Nations Unies, nous avons une proposition concrète en tant que Maroc pour la solution du conflit du Sahara. Monsieur Ban Ki-moon doit comprendre qu'il n'a pas respecté sa fonction et de ce fait-là, il n'est pas devenu crédible. Monsieur Ban Ki-moon a voulu, à maintes fois, il ne faut pas oublier l'événement avec monsieur Christopher Ross, là aussi, avec madame... comment elle s'appelle déjà, Boulk, hein, si je ne me trompe pas, celle qui est responsable de la Minurso à l'heure actuelle. Enfin, toute une série de... Son voyage lui-même, on lui a dit, faites attention, vous allez être manipulé, on va essayer de tourner tout ce que vous allez faire à l'encontre de ce que vous devez faire. Pourquoi M. Ban Ki-moon n'a pas demandé le recensement des réfugiés? Pourquoi M. Ban Ki-moon n'a pas demandé à ce que l'aide humanitaire qui a été présentée à nos compatriotes dans les camps de la honte, pourquoi il n'a pas dit, voilà, où est-ce qu'il est passé cet argent? Pourquoi? Il s'est pourfondé, M. Ban Ki-moon. Et moi, je pense que le Maroc, bien sûr, va tirer toutes les conséquences du comportement de M. Ban Ki-moon. Et le peuple marocain, Sa Majesté, le gouvernement, les partis politiques, la société civile, enfin tout ce qui est marocain, feront le nécessaire pour que le Maroc puisse
être reconnu dans ses droits. Alors justement, le nécessaire, quel est le nécessaire à faire à présent? On a bien vu qu'au niveau local, au niveau national, ça, s'il était encore une fois utile de le prouver, mais là on l'a bien vu encore en persistant en signe, la question est de savoir, à l'étranger, comment faire résonner la résonance de cette marche à l'international. Je vous posais la question par rapport à ça. On fait une petite pause, on revient là-dessus juste après. Retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, nous analysons et nous commentons la marche d'hier, marche historique, on peut le dire aujourd'hui, hein. Je pense que tout le monde l'a commenté de cette manière-là, une telle mobilisation ne s'était jamais vue depuis la marche verte, hein, finalement, si on voit la marée humaine qu'il y a eu dimanche dernier. Alors, relayer ça à l'international, on a bien vu aujourd'hui qu'au niveau national, la mobilisation était là. À l'international, comment on fait? Parce que la grande question, elle est là. De quelle manière les médias internationaux ont-ils relayé l'information? Est-ce qu'on est assez bon pour utiliser, justement, mettre après, vous l'avez dit, il va falloir tirer les conséquences et faire le nécessaire à l'international pour lutter contre les lobbies à l'international? Steven Said. Déjà, la marche en soi est un message, parce que croyez-moi, les ambassades ont fait leur travail et tous ont fait des notes à leur capitale pour montrer qu'au Maroc, il y a une inquiétude de cette, donc, de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, qui, je le rappelle... C'est plus qu'une inquiétude. Oui, oui. qui, je le rappelle, au-delà de ses propos, mm-hmm. au-delà de ses simples propos, a eu un courrier avec l'État, avec la diplomatie officielle, qui signifiait qu'il n'aura pas de contact avec le Polisario. Mm-hmm. Et il n'a pas respecté cet écrit qu'il y a entre lui et le Maroc. Et ça, déjà, en soi... C'est encore un précédent qui met atteinte, qui fragilise les Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies principalement. Donc moi aujourd'hui, je pense qu'on devrait, en tant que politique, jouer sur cette carte-là, démontrer que nous, en tant que Marocains, encore une fois, on n'a pas de problème avec les Nations Unies et qu'on veut renforcer les Nations Unies. Et pour renforcer les Nations Unies, le secrétaire général doit jouer son rôle de neutralité, de rapprochement des populations. Il faut jouer la carte de la paix. Et il faut jouer la carte des rapprochements. Nous avons toujours souhaité voir la construction du Grand Maghreb. Nous avons toujours souhaité voir l'ouverture des frontières avec l'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Sa Majesté appelle souvent à l'ouverture des frontières avec l'Algérie. Sa Majesté appelle souvent à ce que les gens dans les camps de la honte, à Tindouf, rentrent au Maroc et qu'ils seront accueillis par les leurs, par les siens. Donc, il est temps que ce message passe, et j'ai envie de dire, aux populations. Aux populations aujourd'hui, il faut jouer sur la diplomatie populaire, aux populations européennes, africaines et autres, qui aujourd'hui ont un pouvoir de pression sur le gouvernement. Parce mais que, bien évidemment, le gouvernement... On a bien vu qu'on n'était pas bon là-dessus. On va dire les choses telles qu'elles sont. Non. On a bien vu avec l'épisode Maroc-Suède, où justement les démocraties qui réagissent aux opinions publiques, est-ce qu'on a, c'est la question que je vous ai posée, est-ce qu'on a les moyens de faire relayer ça de manière efficace, justement, auprès des opinions publiques à l'international? C'est là où il y a... Je voudrais seulement poser une question. En fin de compte, Maroc-Suède, le match a été gagné par qui? Ah c'est vous qui aimez me le dire. Ah ben justement. Non mais sur le fond. Non. Sur le fond. Bon maintenant il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr et certain. Non, il y a ce qu'il y a à faire aujourd'hui, moi je pense. Il y a un travail à faire sur les partis politiques par rapport à l'argumentation. C'est ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. D'ailleurs, ce terme, je suis plutôt pour une diplomatie complémentaire, parce que mathématiquement parallèle, ça veut dire qu'on est à l'opposé de la diplomatie officielle. Oui. Moi, je suis plutôt pour une diplomatie complémentaire et essayer de renforcer les partis politiques. C'est une question de moyens aussi, permettre aux partis politiques, chacun selon sa couleur politique, d'aller vers les socialistes, vers les socialistes, les libéraux, etc., pour essayer d'avoir une argumentation, un vocabulaire compris par celui qu'on fait. On est convaincu par notre cause. Mais il faut convaincre le reste du monde. C'est ça la problématique qu'il y a au Maroc. On est tellement convaincu et on croit tellement en notre cause que parfois on oublie de faire un effort sur soi-même pour essayer de convaincre l'autre. Et là, il y a un travail à faire, principalement au niveau des partis politiques. Pourquoi? Parce que nous avons une liberté d'action. On peut dire certaines choses que, bien évidemment, le diplomate et la diplomatie officielle ne peut pas se permettre de dire. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au début, on a la force, on a cette force qui nous a été donnée par cette marche, la marche de l'unité encore une fois, pour prendre au sérieux ce projet-là, ce dossier-là. Il faut aussi qu'il y ait un effort fait par le gouvernement et par l'État pour mettre en place il faut qu'il y ait une instance nationale, c'est une proposition qui a déjà été faite par plusieurs partis politiques et par le nôtre notamment, une instance nationale, non pas pour aller défendre ensemble la cause nationale, mais pour permettre à chacun d'avoir les mêmes informations,
d'abord, et pour permettre à chacun d'aller travailler à sa manière à l'international. Moi, je ne veux pas que les... Est-ce qu'il faut une instance pour ça? Est-ce que justement la question est là? Est-ce que les partis politiques ne peuvent pas... Vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas un guideline à mettre en place, avoir des éléments de langage, à mettre en place un mode d'emploi pour aller défendre la cause à l'international? Il faut une professionnalisation de la diplomatie parlementaire comme de la diplomatie partisane. Et quand je parle de professionnalisation, c'est-à-dire qu'il faut, il faut des personnes ressources. Dans chaque parti politique, on sait qu'il va y avoir 2, 3, 4 personnes qui sont capables de faire ce boulot. Et ne plus considérer la diplomatie partisane comme parlementaire comme une sorte de voyage qu'on fait de temps à autre pour visiter certains États. Mm-hmm. Non, il faut, aux États-Unis, par exemple, quand vous parlez d'Afghanistan, on a un spécialiste au Congrès américain qui s'occupe de ça, etc., dépendamment de la région, dépendamment de l'intérêt qu'a l'État et qu'a le parti politique pour cette région-là. Il faut atteindre ce niveau-là. Il faut atteindre pour l'intérêt de la cause. Une cause qui est sacrée pour nous tous. Quand souvent, dans nos partis politiques, quand on parle par exemple de santé ou d'éducation, on a monsieur santé, on a monsieur éducation. Il faut aller aussi dans ça, dans la diplomatie, et élargir cela. C'est-à-dire que je peux être, on peut avoir plusieurs messieurs diplomatie, quelqu'un qui va s'occuper du continent asiatique, le continent africain, le continent européen, parce qu'encore une fois, chacun chaque continent, chaque pays, chaque civilisation a sa manière de parler. Et il faut essayer de creuser davantage pour convaincre ces gens par leurs propres arguments, et non pas forcément le nôtre. Moi, je crois que, premièrement, c'est une question très très importante, que ce qu'on va faire après. Parce que moi, je crois qu'il y a le mois d'avril, c'est-à-dire il y a la réunion, il y a premièrement le rapport du secrétaire général, et après il y a la position du Conseil de sécurité. Alors le Maroc doit jouer sur... Le Maroc est en train de travailler sur ça, parce que c'est là où il y a le Conseil de sécurité, où il y a normalement un vote, et c'est très important. Et moi, je crois que c'est pour ça que ce qu'a dit Ban Ki-moon, ce qu'a fait, est très dangereux, parce qu'il va présenter un rapport. Et ce rapport, il pèse. Il pèse, parce que vous allez être devant un Conseil de sécurité. Je crois que le Maroc est très conscient. Inconscient. Au niveau officiel, il est en train de travailler sur cette question, sachant qu'il y a au niveau des partis politiques, c'est vrai, il faut convaincre les partis amis, frères, etc. Mais au niveau des États, ce sont des intérêts. Oui. Ce sont des intérêts, et je crois que les choses, maintenant, se jouent comme ça. Nous, avec les autres pays, on a des intérêts, ils ont des intérêts avec nous, et je crois que le Maroc est en train de travailler sur cette question. Au-delà de tout cela, il y a tout le travail que peut faire le Parlement, les partis politiques, la société civile et les médias. Les médias aussi, parce que moi je crois qu'on n'est pas confronté simplement à des médias algériens, mais ce sont des médias espagnols, des médias des pays nordiques, etc. Je crois que là, il faut faire un travail, il faut changer le langage, il ne faut pas avoir un langage, comme on dit, une langue de bois, il faut... Je crois, et même pour les partis politiques et pour le Parlement, parce qu'il faut professionnaliser. C'est-à-dire qu'il faut connaître les dossiers, il faut connaître les gens, il faut quelqu'un qui est habitué, parce que ce sont des amitiés. Nous, on le sait très bien au sein de l'International Socialiste. On a des amis, on les connaît, on a discuté. Et je crois qu'il faut des professionnels, il faut des gens qui... Et ça a commencé au Maroc, ça a commencé. Maintenant, les partis politiques jouent un rôle très très important, chacun dans son domaine. Mais il faut faire un peu plus. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas simplement l'Algérie. C'est vrai qu'il y a un État algérien, mais il ne faut pas oublier que, entre guillemets, la société civile espagnole, elle est là, avec les partis politiques, avec les relais, avec les relations, et ce n'est pas facile, parce qu'on est devant un pays européen qui prétend qu'il est convaincu de cette cause. Moi, je m'en doute, hein, parce que c'est autre chose. Quand on analyse ce qui se passe en Espagne, c'est autre chose. Mais c'est ça où on doit jouer, c'est là où on doit jouer. C'est le brin. Moi, je pense que... La meilleure solution qu'on a, et c'est celle dans laquelle nous sommes, c'est de consolider le processus démocratique au Maroc. C'est la consolidation de cette démocratie marocaine qui va faire que le Maroc va gagner. Parce que dans la région, bien sûr, je ne suis pas là pour faire chanter les louanges de la démocratie marocaine. Il y a des choses encore à faire. Mais la consolidation du processus démocratique marocain, c'est sûr et certain que c'est ce modèle-là
qui va être vendu et qui va permettre, justement, par l'intermédiaire de la régionalisation avancée, par le développement économique, par le rayonnement et l'émancipation culturelle, qui va faire que le Maroc va gagner tous les défis, y compris celui de son intégrité territoriale. Un. Deuxièmement, il est clair que le front intérieur, au PPS, on a ce terme, je pense qu'il est compris, doit être chaque fois consolidé. C'est sûr et certain qu'il y a des problèmes, qu'il y a des tas de luttes. Hein, on en a parlé tout à fait au début, mais... C'est le jeu démocratique, absolument. Et puis, c'est le jeu de la vie quotidienne. Hein, ça monte, ça descend. Mais autant on peut consolider le front intérieur sur tous les plans, autant on peut arriver à faire passer notre message auprès des autres. Troisième chose, c'est sûr et certain que on n'a pas besoin d'instance. Je m'excuse avec tout le respect que je dois à des collègues. Si chaque fois qu'il y a un problème, les élections, il faut une instance, le pétrole, il faut une instance, l'éducation, il faut... Bon, je pense qu'on est capable, en tant que parti politique, c'est le midi, on s'est vu à Dakar, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'est retrouvé, peut-être toi tu étais dans un coin, moi j'étais dans un autre, en train de parler des problèmes de la démocratie au Maroc, de l'intégrité territoriale au Maroc. On en a l'habitude, c'est sûr et certain qu'il faut encourager, parce qu'il y a les moyens qui manquent, c'est sûr. On n'a pas tous les moyens financiers pour aller en Suède ou aller en Norvège ou avoir des relations comme ça. Ne pas pratiquer la chaise vide, c'est sûr et certain. Nous avons un bon dossier, nous avons de bons patriotes, de bons avocats. Maintenant, il faut être présent. Chaque fois que cela le permet, et c'est sûr et certain que aussi dans le domaine des affaires, il faut être clair et net, la fermeté avec l'Union européenne, par exemple, dernièrement, a montré que les gens vont commencer à réfléchir sur ce qui est profondément intérêt marocain, et non pas seulement signer un accord et puis après dire voilà, il y a d'autres moyens de le contourner. Je pense que c'est en cela que... Et cette formidable... Moi, je voudrais aussi revenir à cela, cette formidable mobilisation du peuple marocain. Hein, c'est 3 millions. 3 millions, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple dans la joie, dans la gaieté, dans la sécurité. Absolument, c'est ce que j'allais dire, dans la sécurité. C'est extraordinaire, ce peuple marocain qui est sorti, Al-Bukharati Abi, comme on dit en arabe, pour justement être là et pour dire non à Ban Ki-moon, il n'en est pas question de nous faire insulter, il n'en est pas question de nous traiter de la sorte, il faut aller de l'avant et consolider la paix dans cette région. – Excusez-moi d'insister sur la question, je vous pose encore la question, qu'est-ce que vous allez faire, vous de ça, vous nous avez dit, il vous faut des moyens, vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il faut une instance, qu'est-ce qu'on fait de ça à l'international? Je repose la question encore une fois, parce que vous dites, on est capable de le faire. Est-ce que vous avez tous un agenda en tant que politique pour utiliser ça, aller le vendre à l'étranger, aller sur les plateaux de télévision à l'étranger, parce qu'on voit que des fois, il y a quand même des petits ratés. Hein, on peut voir ça sur Internet et sur certaines chaînes confrères, où on a l'impression qu'on n'a pas les bonnes personnes qui nous défendent. Voilà. Alors là, est-ce qu'il y a, aujourd'hui, on va structurer notre manière d'aller discuter, d'aller parler, d'aller communiquer, de désigner les bonnes personnes pour aller défendre cette cause-là à l'international. Je vous repose la question, je suis désolé, parce que vous dites qu'on est capable. Je vais vous donner un exemple concret. Ouais, allez-y, bon, le choix des personnes, ça dépend des instances. Hein. On ne peut pas juger une instance parce qu'elle a choisi de telle ou telle personne. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais malheureusement, on ne peut pas la juger. Par contre, sur qu'est-ce qu'on va faire de ça Vous savez, il y a les relations publiques, il y a les relations médias. Non, ça fait partie du lobbying, c'est-à-dire, voilà. On est parfaitement d'accord, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand un journaliste appelle une instance, elle ne m'appelle pas moi ou lui. Il faut les appeler avant, non? C'est une démarche. Ouais. C'est une démarche à avoir. Un exemple concret de ce qui peut être fait. Aujourd'hui, par exemple, au Parlement, on a reçu une délégation vietnamienne. Et justement, le Vietnamien, vous savez, À l'instant, là, vous en veniez. Là. Exactement, oui. On venait, bien évidemment. Vous leur en avez parlé? Plus qu'on parle. Il faut leur parler avec le langage aussi. Ouais. Vous savez, c'est un parti communiste qui est venu nous voir, etc. Et donc, ils sont plus sensibles à une marche populaire. Là, on leur a expliqué qu'hier, il y avait 3 millions de personnes qui étaient dehors. Et dans ces 3 millions de personnes, il y avait toutes les composantes marocaines. Et donc, cette diplomatie populaire les a touchés.
Et bien évidemment, j'ai insisté pour que le président de la commission d'affaires étrangères du Parlement vietnamien fasse une petite déclaration dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction au niveau du secrétaire général des Nations Unies. Et c'est ce qu'il a fait, il a fait une déclaration qui est très claire, il a dit écoutez, normal, les Nations Unies doivent garder son rôle de rapprochement des populations, on n'est pas là à prendre parti, il faut jouer. Et c'est comme ça, il faut sensibiliser les gens, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant, même, ils n'étaient même pas au courant de la déclaration de Ban Ki-moon. Parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, ils sont venus en visite courtoisie pour essayer de voir comment améliorer la relation entre le Maroc et le Vietnam. Bon, ils sont venus en pleine actualité, et donc, il fallait, donc c'est de ces manières-là qu'il faut, il faut aller vers... Moi, je pense qu'il faut aller vers tous les États. La diplomatie officielle va faire son travail. Parce que là, vous parlez des rôles des partis politiques. Oui. La diplomatie officielle va faire son travail avec le Conseil de sécurité, avec les membres permanents, etc., pour préparer avril, justement. Et nous, on a un travail à faire. Moi, j'insiste sur ça, un travail populaire à faire, sur une pression populaire au sein des États, des différents États, avec qui on a contact. Si on arrive à toucher 2, 3, 4 partis qui ont un pouvoir, qui ont une présence au sein de leurs États, au sein de leur pays, bah on y arrive. Bien sûr que les intérêts jouent. Mais croyez-moi, aujourd'hui, même la pression populaire joue. Si on parle de l'Afrique du Sud, par exemple, on peut avoir les intérêts qu'on veut avec l'Afrique du Sud, mais l'ANC a un rôle à jouer sur les questions diplomatiques. Si on n'a pas l'ANC avec nous, on n'a pas l'Afrique du Sud avec nous. Donc c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est il faut une certaine continuité dans le travail qu'on fait. La diplomatie économique a un rôle à jouer, mais la pression populaire, elle a aussi un rôle à jouer. Il faut identifier les États où certains politiques sont présents. Généralement, c'est par tradition, c'est généralement des partis socialistes ou communistes qui ont une présence au niveau des couches sociales, au niveau des couches populaires et au niveau donc de l'État. Et je rappelle encore une fois l'exemple de l'ANC ou l'exemple du Parti communiste au Vietnam ou autre dans d'autres partis, et essayer d'inciter ces partis politiques-là via des délégations, via les partis frères et sœurs qu'ils ont ici et ailleurs, et pour comprendre ce que nous disons. Et parfois aussi, il faut aussi essayer de casser cet amalgame entre la cause sahraoui et la cause palestinienne, qui malheureusement... – D'où l'utilisation du mot occupation, qui voilà, renvoie qui toujours dans l'imaginaire exactement, la, qui est, la qui question palestinienne. – Certains essaient de l'utiliser, parce que bien évidemment... – Surtout il y a les Nordiques, surtout la Suède, voilà. Ce sont eux qui ont commencé à faire ce petit jeu. Ouais. – Il y a une sensibilité pour la cause palestinienne internationale, comme vous le savez, nous sommes les premiers défenseurs de la cause palestinienne, mais il faut différencier cela, et nos amis palestiniens nous y aident, hein. Il y a une communication directe avec eux, et à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils font la différence, comme vous savez. Donc, il y a un travail à faire, moi, je pense. Là, je parle réellement des rôles des partis. Hein. Je ne fais pas d'analyse macro avec ce que doivent faire les entrepreneurs, ce que doivent faire la diplomatie officielle. Les partis, c'est le contact avec les partis politiques, la pression, surtout quand on a des contacts directs avec des présidents de partis. Les gens voient le Maroc. Il y a une occasion inestimable, le Grand Spontané d'Akhla. Le Grand Spontané d'Akhla, c'est une... Je parle de la gauche, par exemple, de la gauche. Oui, oui. Vous avez des ponts avec les gauches à l'international, dans tous les pays. Est-ce que vous les activez dans ces moments-là? Parce que nous, à travers, parce qu'il y a un forum très très important, c'est l'international socialiste. Vous avez là-bas les partis socialistes qui sont à l'opposition et même qui sont au gouvernement. Alors on travaille, on continue à travailler et on a gagné beaucoup de choses. Si on voit maintenant qu'est-ce qu'on a fait à l'international socialiste, comment on a travaillé, on a créé une commission spéciale méditerranée où on traite la question du Sahara, même pas dans des réunions au niveau global, ça veut dire qu'on est en train de faire un bon travail. Je crois qu'on va continuer. Maintenant, il y a des changements, et ça c'est très important à le noter, il y a des changements en Espagne, il y a des changements qui se préparent au Portugal, il y a des changements, alors on est en train de se préparer aussi pour tout cela. On a eu une réunion le samedi, ça est d'ailleurs du bureau politique, on a discuté du rôle qu'on va jouer, qu'on doit jouer. Et je crois qu'on a tiré la conséquence de ce qui s'est passé avec Ban Ki-moon, avec le secrétaire général de l'ONU, et on va se mobiliser maintenant, pas d'une autre façon, mais avec un nouveau souffle. Parce que nous, on est très prudents. On est très prudents, on considère que, voilà, ce qui a été dit, c'est dangereux. Alors, derrière tout cela, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'à notre niveau, l'USFP, on est en train de travailler là-dessus et on prépare même maintenant des délégations qui vont partir
voir des amis. Juste un point que je voulais ajouter tout à l'heure. Il faut aussi savoir utiliser les binationaux que nous avons à l'étranger. Oui. Parce que parfois on parle de moyens et de manque de moyens pour l'obligation de partir. Si on a une bonne formation de nos binationaux avec des instances partisanes qui existent maintenant en Europe, je pense que tous les partis politiques sont présents aujourd'hui en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, ces binationaux ont un rôle à jouer parce que c'est un moyen très simple. Il y a quand même des moyens de désigner des porte-parole qui sont légitimes, qui sont efficaces dans chacun des pays. C'est de la formation, c'est du travail. Oui. C'est des rencontres quand ils viennent au Maroc. Mais je m'excuse de t'interrompre, mais je pense que c'est fait, tout ça est fait. Tout ça est fait. Il faut on les voit pas. On les voit pas. Ok. Il y a des choses qui sont faites, mais... Si on se moujahide, si on me dit, moi-même et d'autres. Hein, parce que, bon, il n'y a pas que nos trois partis qui sont sur la scène. Il y en a d'autres aussi. Il faut reconnaître que tout le monde s'agite dans cette affaire-là. Il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été déjà entamées, qui sont... Bien sûr, premièrement, il faut que les médias s'occupent de ça aussi, de nous. Hein, quand on a la possibilité d'amener quelqu'un, il faudrait peut-être lui donner assez d'importance. Ça, c'est un autre chapitre. Comment les médias devraient aider peut-être justement à la promotion de ce combat. Deuxièmement, nous continuons. Hein, chacun a son expérience, chacun dans son domaine, chacun dans son... par exemple, de notre côté, en tant que parti du progrès du socialisme, tout ce qui est idéologie, par exemple, justement, idéologie de gauche, idéologie communiste, est-ce que le Sahara... Est-ce qu'il y a un peuple sahraoui? Eh bien, vous savez, les débats qu'on a entamés sur ce point-là... Surtout les années 70. Les années 70, et même après. Quand est-ce que le Front Polisario est né? Depuis quand il est là, cette organisation? Est-ce que c'est un mouvement de libération nationale? Ça a été discuté. Je termine avec une petite anecdote, si vous me le permettez. Allez-y. Il y a une dame, je ne cite qui est d'un pays voisin, qui était relations extérieures, relations internationales d'un parti qui nous est... Très voisin occidental, qui est très voisin, qui dans la séparation. Non, c'est important. Donc voilà, donc il suffit d'un des trois pour passer de l'autre côté, qui a juré qu'il ne mettrait pas les pieds au Maroc tant que la fantomatique race ne soit pas reconnue par le pays. On est allé la voir. Hein, camarade, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. On ne lui a pas demandé de signer avec nous un accord, de dire voilà, ou ceci. Je lui ai demandé seulement de nous rendre visite. Voilà. Et de se comporter comme elle le veut. Exactement. Elle est venue ici à Rabat, il y a des responsables qui nous ont suivis, elle a été reçue au Parlement, dans les deux chambres du Parlement, elle a été reçue par tous les partis politiques qu'elle a bien voulu, bien sûr, par nos camarades et amis et alliés de l'USFP, par d'autres, par le responsable du Corcas, etc. Enfin, on a fait le nécessaire. Moi, je l'ai amené à Herriad, je lui ai dit, voilà, hein, ça, c'est le modèle, l'extension moderne de Rabat. Et je l'ai amené dans la vieille ville de Rabat, ville quand même qui date d'un certain temps. On est allé à Yacoub Mansour, on est allé à Nahda, etc. Et je lui ai dit, voilà, ça, c'est le Maroc. Ah, ça, c'est le Maroc. On est en train d'avancer. On est en train de faire notre chemin pour consolider notre démocratie. Voilà nos problèmes et voilà ce que... Eh bien, figurez-vous que toutes ces déclarations qui ont été faites librement, et même après, c'était dans le respect de l'intégrité territoriale marocaine, au moins en ne disant pas, en n'étant pas adversaire déclaré du Maroc. Il ne faut pas croire qu'on fasse les adversaires ne travaillent pas, c'est ça. Parce qu'on a tendance à penser qu'on va commencer à travailler, donc demain on va avoir un résultat. En face n'est pas qu'uniquement la race, ce n'est pas le Polisario. Il y a des États derrière, et c'est ça le problème. C'est le Maroc qui ne se bat pas contre quelque chose, une seule chose. C'est plusieurs combats à la fois, avec des moyens derrière. Donc tout ce qu'on fait... ça peut paraître parfois, oui, ces partis politiques ne font pas assez, mais tout ce qu'on fait, il y a des personnes qui passent derrière. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. À la PCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à chaque fois il y a une délégation représentative de tous les partis politiques et chacun a essayé de voir ses partis frères et sœurs, etc. Et donc, à chaque fois, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on allait vers quelqu'un, derrière, il y avait les Algériens ou le représentant par les autres qui allaient faire le même travail à l'encontre. Donc, et on se retrouve face, bien évidemment,
au Polisario qui veulent aussi faire leur travail de lobbying, et à l'Algérien, qui soutiennent, soi-disant, bien évidemment, la question d'indépendance des peuples, etc. Donc, il faut davantage s'unir quand c'est des problématiques pareilles. On a un moyen de pression énorme qu'on n'utilise pas assez, à mon avis, c'est ces binationaux. Par exemple, aux États-Unis, il y a des populations, il y a des Marocains qui vivent, par exemple, qui sont regroupés à Orlando, à Washington, à New York, etc. Et la dernière fois, j'étais avec une délégation américaine qui me disait, vous savez, nous, les congressmen, contrairement aux présidentielles, on est élus à 2000, 3000 voix. Mm-hmm. Et donc, si on a une communauté de Marocains, il suffit qu'il y ait 200 personnes, 100 personnes binationaux, ben, ils font pression parce qu'ils nous disent, écoutez, nous, les Arméniens viennent nous voir, la communauté arménienne vient nous voir, la communauté juive vient nous voir, mais les Marocains, nous, on les voit jamais. Pourquoi? Parce qu'on pas organisé. Il faut davantage s'organiser. Là, c'est la responsabilité, bien sûr, des partis politiques, mais c'est aussi la responsabilité, j'ai envie de dire, citoyenne des uns et des autres. Même si on est à l'étranger et qu'on aime ce pays, il faut s'organiser un minimum, être attentif, parce que ça, c'est la cause de tout le monde. Ce n'est pas une couleur politique, ce n'est ni moi, ni lui, ni l'autre. C'est nous tous. Moi, je crois aussi qu'il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est très important, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais il y a aussi le terrain, ça veut dire sur les territoires. Je crois que là aussi, il y a un jeu très important, parce que c'est là où il y a, entre guillemets, le peuple sahraoui, ça veut dire les Sahraouis. C'est là où ils sont. Et c'est là où il faut travailler aussi. Ça veut dire, et maintenant, le Maroc est en train de faire un travail énorme, parce qu'il y a tout un développement économique, il y a des projets, mais il faut avancer. Il y a des jeunes, il faut trouver, il faut... parce qu'il y a le chômage, il y a des problèmes de marginalisation, il y a des... Et là, je crois que ce sont des questions très, très importantes à régler, parce qu'on va jouer, parce que c'est là où on va se faire aussi une grande partie du jeu. Ça veut dire sur le territoire. C'est voilà. L'ensemble du territoire. Alors, et aussi sur le terrain, ça veut dire les territoires du Sahara marocain, il faut jouer là-bas, parce que je crois que c'est une question... très très importante pour nous, pas simplement au niveau interne, mais aussi au niveau externe, ça veut dire à l'extérieur, parce que ce sont des représentants des Sahraouis, et il faut régler des problèmes qu'on a là-bas. On sait très bien qu'il y a des problèmes, comme dans tout le Maroc, c'est normal, mais c'est une région très sensible, une région très sensible au niveau politique, au niveau économique, social, culturel. Moi, je crois que le programme marocain, je crois qu'il y avait des visites de Sa Majesté là-bas, il a lancé des projets, et je crois qu'il faut consolider, il faut aller dans ce sens. – Alors, on arrive aux dernières minutes de l'émission, Sa Majesté est en Russie, il va rencontrer Vladimir Poutine, on voit bien le timing entre dimanche, cette marche-là, et rencontre Vladimir Poutine. Je vous parlais tout à l'heure du prochain secrétaire général de l'ONU, la Russie se dit intéressée par le poste, ça pourrait aller, bon, c'est pas sûr, mais en tout cas, ça pourrait être intéressé. Est-ce non, que… – Non, non, pas droit. Non, mais alors, je... Non, mais attends, les alors, il y a aujourd'hui, est-ce que ce timing-là, est-ce qu'il est intéressant, justement, pour, avec cette rencontre-là, qui est autour de Sa Majesté, des gens qui aillent, justement, en Russie, défendre ce dossier-là? Ben, justement, la Russie est un membre du Conseil de sécurité. C'est un membre dans le passé et actuellement un rôle international très important. Si la Russie est convaincue de la justesse des positions marocaines, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'elle pourrait faciliter. Donc je pense que la visite de Sa Majesté à Moscou est une visite historique. Je ne suis pas au courant de ce qui va se passer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la Russie, hein, sur le plan économique, sur le plan politique. La Russie joue un rôle au Moyen-Orient qui est clair et net. Elle a des relations avec l'Algérie. Elle peut amener... justement, un certain nombre de messieurs, je ne sais pas s'il y a des dames gradées, hein, mais sûrement les messieurs seront beaucoup plus compréhensibles, avec des arguments. Vous allez vous faire des amis. Non, mais c'est des amis, tant qu'ils nous respectent. Vous allez vous faire des amis. Ah, des amis. Ouais. Ben, j'espère qu'il y a, s'il y a des gradés, ben, je leur donne, des gradés, oui. Je leur envoie mes félicitations de. Mais je ne pense pas, hein, personnellement, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il est, oui, il est très intéressant d'aller vers les États.
Parce que le problème, le cœur du problème, il est avec l'Algérie. D'accord ? Donc il faut faire pression sur l'Algérie. Comment faire pression sur l'Algérie si ce n'est avec les pays qui les entourent ? L'Afrique du Sud, la Russie aujourd'hui, la Chine, etc. Il faut y aller et il faut qu'à un moment donné, ces États-là disent à l'Algérie, bon, basta, hein, on ne peut plus te soutenir sur des choses qui n'ont aucun intérêt pour le monde et qui n'ont surtout pas d'intérêt pour le peuple algérien. D'accord ? Parce que c'est il faut toujours le rappeler, c'est 2% de PIB perdu pour le peuple algérien comme pour le peuple marocain, cette crise, et bien évidemment toutes les problématiques sécuritaires qui vont avec. S'il y avait ce Maghreb, s'il n'y avait plus ces problèmes-là, peut-être que le problème en Libye, il serait moins. Il y aurait eu une certaine solidarité maghrébine qui aurait fait que la Libye ne serait pas où elle est aujourd'hui. La même chose pour la Mauritanie, il y aurait un développement en Mauritanie, parce que la Mauritanie a besoin de ses États alliés, pour se dire. Donc il faut y aller pour faire pression, pour entourer l'Algérie, pour lui donner raison. Ce qu'on veut, nous, de l'Algérie, c'est rien. C'est juste l'ouverture des frontières, c'est juste travailler ensemble, c'est juste pour pouvoir être, parce que même eux, ils le disent, c'est peuple frère. Moi, je crois que c'est une visite stratégique. Premièrement, parce qu'il y a cette question du Sahara, il y a ce qui va se passer au mois d'avril, mais il y a aussi ce qui se passe à travers le monde, et surtout dans la zone arabe. Et la Russie joue un rôle très très important. Le Maroc est obligé, il est toujours obligé de diversifier ses relations, de ne pas avoir simplement des relations avec les États-Unis ou l'Union européenne, mais de diversifier ses relations. Il l'a fait toujours, mais maintenant un peu plus. Et le Maroc doit faire un peu plus dans ce sens, et c'est pour ça que je crois que le message de cette visite à la Russie, ce qui va se passer avec la Russie, est très stratégique pour le Maroc. Alors justement, et nous aurons l'occasion de commenter et d'analyser la visite de Sa Majesté en Russie dans la semaine. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Médien TV. La rediffusion à 22h40 comme d'habitude, si vous nous avez pris en route, et on se retrouve demain.